arrive directement sur un graveur laser de puissance 400 watts. Donc comme vous voyez, il est bien présenté, on a fait le déballage, on s'est vraiment sorti sur plusieurs déballages. Après c'est normal, on est sur un châssis en pexi noir, de couleur noire. Et après voilà, c'est hyper fragile, comme vous savez, un graveur laser qui est juste dessus. On a les connectiques qui se font directement USB, mini USB, donc voilà, il y a deux câbles qui ont été mis avec. Dedans, vous avez une carte SD et des lunettes de protection qui sont ici. Donc effectivement, il faut des lunettes de protection pour travailler dessus. Donc vous voyez, il y a les lunettes de protection. Vous allez laisser aussi en même temps ce que vous avez dans le colis, qu'il faut faire attention, c'est que j'ai trouvé cette petite clé Allen qui était au fond de la boîte en polystyrène. Et ça, pareil, on en a vraiment besoin. Le manuel d'utilisation est vraiment top, le manuel d'utilisation est tout en anglais, donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà les amis, on est arrivé donc directement sur mon PC. Comme vous voyez, vous allez mettre votre carte SD, je fais un copier-coller. Quand vous allez ouvrir votre carte SD, ça va vous faire un driver, guide, picker, software, user manuel. Donc tous ces dossiers, en fait, vous allez créer un dossier directement sur votre PC. Vous allez faire un copier-coller, vous allez l'installer automatiquement, comme ça après vous pouvez enlever la carte SD. Et à partir de là, c'est mieux pour travailler. Donc après, quand vous allez rentrer donc directement sur le driver qui est juste ici, donc vous avez le driver, vous avez juste à cliquer dessus. Donc moi c'est déjà installé et tout, donc vous avez juste à cliquer à rentrer le système de driver. Donc de préférence, quand vous êtes ici, donc là, ici, vous avez le laser, donc le laser qui est en fonction, vous voyez là, tout petit, ce tout petit laser, juste là, il faut mettre le doigt, c'est hyper dangereux, ils interdisent de mettre le doigt. Sur l'écran de mon PC, comme vous voyez, donc on est directement ici, donc il y a les photos de présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image d'illustration, mais vraiment une très simple. Du coup, j'avais vu l'araignée qui était assez simple, assez jolie. Là, comme vous allez voir, en fait, je suis directement sur mon petit logiciel. Vous pouvez choisir la langue. Vous avez français, italien, anglais, et après d'autres langues, je ne sais pas du tout, mais je pense que ce sera du chinois. Donc là, comme vous voyez, il est connecté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener la photo de mon araignée. Donc ça propose deux choix d'araignée. Donc après, on peut choisir. Alors, ça, c'est un réglage. Je ne sais pas trop y toucher, combustion. Ah, c'est la combustion, ouais, d'accord. C'est pour régler en fait la combustion, en fait, plus fort ou moins fort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener, on va la ramener là. On va choisir celle-là de photo. Donc elle est vraiment très intéressante. Envoyer l'image à la machine. Donc je me repère par rapport à ici sur le plan. Donc setup 2, donc il me dit de mettre le truc. Setup 3, d'envoyer l'image donc directement à la machine. Donc là normalement c'est en train de l'envoyer. Ok, là elle ne répond pas, mais normalement ça devrait fonctionner le temps que ça l'envoie. Ok, donc là ça l'a envoyé, donc là c'est en train de se préparer. Et après il me dit setup 4, donc setup 4, alors setup 4, donc il me dit de cliquer juste ici. Donc là il est en train de faire un tac. Après on va aller sur setup 5. Donc là pour le moment, donc il fait des réglages. Là pour moi, elle est en train de régler. Donc en fait, je peux régler le laser plus vers la gauche. En fait, il va. Voilà, si je veux le faire à la fois sur le côté gauche ou partir sur le côté droit. Et après, on règle donc directement le laser à partir du fameux logiciel, sur le centré. On peut vraiment faire pas mal de choses. Donc, ok, j'ai fait le setup 5. Et après on va faire le setup 6 qui est ici, donc faire démarrer. Donc on va faire démarrer. Donc là, c'est en train de démarrer. Et donc il est en train de marquer des points. Et là normalement il est en train de graver automatiquement mon araignée. Alors, j'ai l'impression que ça ne grave pas parce que c'est une feuille blanche que je travaille dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est monter la puissance de la combustion. Et là, automatiquement, j'ai envoyé une commande à 152. Donc automatiquement, là il est en train de faire la feuille automatiquement directement sur mon écran.
on voit qu'il est en train de tracer déjà. Alors tout ce qui est en rouge qui est directement sur mon écran, effectivement, c'est l'araignée. Donc après voilà, il faut régler par rapport. On peut le faire en mode clavier, en mode souris, donc régler la largeur, la grosseur, tout ce que vous pouvez faire en fait. On peut vraiment faire pas mal de choses. Là du coup on est parti sur l'araignée pour vous montrer le résultat que ça va donner. Voilà notre fameuse araignée. Donc on va sortir le papier, comme vous voyez sur l'écran PC, ça a bien envoyé, et là, aïe, ça a bien même décollé, comme quoi c'est, ça a bien même travaillé, sur le papier ça l'a bien découpé entièrement notre fameuse araignée, et ça je trouve ça vraiment trop beau, ça découpe. Couper le papier, c'est un truc de malade. Donc comme quoi il ne faut pas mettre les doigts dessus. Je remercie donc smartvision.fr, donc c'est la boutique de chez Amazon. Donc je vous retrouvez donc directement le lien du colmetteur, en fait du graveur pour graver en fait directement sur du papier, carton. J'ai pas testé encore le verre, je vais peut-être tester le verre, le porcelaine, je vais tester peut-être pas mal de choses. C'est assez original, on sait de quoi faire, on sait de quoi s'amuser, il y a vraiment des photos assez originales. Après, pourquoi pas mettre des photos à vous directement. Je vais faire un test directement, je vais tester de le faire donc directement sur des coques. Je vais tester pour voir sur des coques iPhone, je vais voir pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas faire un test sur une vitre anti-casse d'un iPhone aussi, je vais tester pour voir. Ouais, pourquoi pas, il va y avoir plusieurs tests. Dites-moi via les commentaires ce que vous en pensez de cette fameuse vidéo, de ce fameux test, de ce fameux produit du colmetteur. Un graveur assez original, assez bluffant, assez puissant pour du 400 watts. C'est vraiment le top du top. Dites-moi via les commentaires. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et moi, pour ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut. Up, 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 up.